La cérémonie de pause de la première pierre du stade olympique de, du Sénégal euh, qui sera euh, donc érigée à Diamniadio euh, dans Istogio ce matin. Bonjour Elagiogoudienne. Bonjour Babacar. Donc, euh, événement prévu cet après-midi. Cette infrastructure, cette, ce stade dit olympique, euh, va avoir une capacité d'accueil de 50 000 places et, et il va coûter ce stade 155 milliards de francs CFA. Cette pause, la première pierre, euh, nous sert de prétexte ce matin pour revisiter l'histoire du plus grand stade de, de football de, de, du pays, le stade Léopold de sédar Senghor. Oui, Babacar, le stade Léopold sédar Senghor a été inauguré le 31 octobre 1985 euh, par le président de la République du Sénégal d'alors Abdou Diouf. Il s'appelait à l'époque stade de l'amitié, stade de l'amitié parce que cette infrastructure sportive est le fruit de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Chine, euh, donc le fruit de l'amitié entre les Pays, mais il faut souligner qu'il existait déjà dans l'histoire du pays un stade de l'amitié devenu stade d'Embo Ce stade de l'amitié euh, avait été construit pour les besoins euh, des deuxièmes jeux de l'amitié qui tenaient à Dakar et il sera rebaptisé stade d'Embo après l'assassinat de l'ancien maire et ancien ministre d'Embo en 1967. Alors, le stade Leopold Sédar Senghor, stade de l'amitié, a été construit par les Chinois pour un coût de 9 milliards de Enfin, il faut dire que le projet a été négocié par Ali Djoum, Ali qui était à l'époque l'ambassadeur du Sénégal en Chine. L'ex-Stade de l'Amitié a été rebaptisé Stade Léopold Sédar Senghor en 2001 après le décès du président Poète. Ce stade de 60 000 places est un stade multifonction. On y pratique le football naturellement, mais aussi le basket, le volleyball, l'athlétisme, la lutte, la gymnastique le tennis de table, mais également le karaté, le judo, le taekwondo et la boxe. Le match inaugural au stade Léopold Seda-Senghor avait opposé les deux plus grands clubs de la capitale sénégalaise Jeanne d'Arc et Djaraf. Une rencontre remportée euh, par le Djaraf des Gersèques, Amadou Diop-Boybandi et Moussa Diop-Kenom devant la GIA de Moussa Ndao, Ibrahim et Ignace Colli. Après la série de tirs au but, le score était de un but partout à l'issue du temps réglementaire et puis il faut retenir que c'est Moussa Sandaou Delagia, qui est l'auteur du premier but inscrit au Stade Léopold Sédar Senghor. Alors le Stade Léopold Sédar Senghor comporte cinq catégories de tribunes la loge officielle, l'annexe loge, la tribune couverte, la tribune découverte et les deux virages. L'ex Stade de l'Amitié a eu à accueillir de grands rendez-vous sportifs comme la Coupe d'Afrique des Nations de 1992, la seule canne d'ailleurs tenue au Sénégal à ce jour. Il y a eu aussi la CAN Junior de 2015 et le meeting international d'athlétisme de Dakar qui s'est tenu tous les ans, l'Etat de la a aussi accueillir de grands combats de lutte. Ce temps du sport a aussi abrité des événements historiques comme la cérémonie de prestation des sermons du président la Wad le 1er avril 2000 après son élection ou encore la messe dirigée par le pape Jean-Paul II lors de sa visite au Sénégal en février 1992. Notons pour terminer que le stade Léopold Sédar Senghor, en état de délabrement avancé, est aujourd'hui fermé pour des travaux de réhabilitation.